Les longueurs sont exprimées en mètres. 1. Exprimé en fonction de x, l'aire de chaque figure. Quelle équation doit-on résoudre pour que les deux figures aient la même aire? Quelle équation doit-on résoudre pour que les deux figures aient la même aire? Montrez que cette équation a les mêmes solutions que l'équation 18x plus 81 est égale à 5,5x. Ici Lucas Staller à bord du X-139. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ne répondre plus? Mayday, mayday! Mon vaisseau est attiré par le champ magnétique de Monsieur Quation. Je me dirige tout droit vers l'étoile mat. Comment je vais me sortir de cette histoire? Les deux figures peuvent-elles avoir la même aire? Pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît. Alors, monsieur Lucas Staller, vous étiez sur la Lune? Non, monsieur. J'étais ici, sur Terre. Alors, combien vaut X? Je ne sais pas, monsieur. Pardon? Je ne sais pas. Monsieur Marc Prador, emmenez ce rêveur en permanence. Faites-lui. Tu fais comme un rat. Marc Prador, tu perds rien pour attendre. La force est avec moi. Je suis ton délégué. Suis-moi vers le côté de la salle d'études. Bonjour madame, il y a du travail à faire. Ah, c'est monsieur Quation qui vous a envoyé. Asseyez-vous là et travaillez. Merci madame. Je suis en prison avec des albinos. Mais que me veulent-ils? Turbopropulseur, on, nous passons en cyberespace. Go! Contrôle de l'altitude, nous sommes trop bas. Attention à la zone de turbulence. J'arrive dans le sas du bouchon interstellaire. Un champ d'astéroïdes droit devant. Qu'une ligne droite avant la sortie. Cessez immédiatement de jouer avec ce vélo. Remettez-vous au travail. Ici, monsieur, c'est la réalité.